un chemin, la terre un passage. Passons, donnons la main, l'amour et le pain. Et voilà, bienvenue. C'est notre dernière rencontre, la dernière de sept rencontres. Alors, vous reconnaissez Marguerite Dioville, c'est notre dernière. Avant de commencer, je vais faire deux petites annonces. D'abord, si jamais ça vous intéresse d'avoir un CD ou DVD, ou un, comment est-ce qu'on appelle ça, une clé, là, sur ces... Demandez au Père Thériault. Il peut vous le mettre, parce que tout est mis sur DVD. Si jamais ça vous intéresse. Et puis, une autre chose ici, c'est qu'en ville, ici, c'est intéressant, le dernier souffle au cœur de l'Hôtel Dieu. Ça doit être une soirée, j'imagine. Et c'est présenté, ça, au Cinémathèque, du cinéma du Parc. Je ne sais pas où. Je mettrai ça là, si jamais ça vous intéresse. C'est un documentaire sur la fermeture de l'Hôtel Dieu. Et un autre, La folle entreprise sur les pas de Jeanne Mance. Ça aussi, c'est télédiffusion au Canal Savoir du 17 au 20 mai. Alors, si ça vous intéresse, je mets cela comme référence. Donc, c'est des façons de continuer, d'approfondir la même chose, et avec des commentaires. Je n'ai pas vu, moi. Je fais simplement l'annonce. Donc, nous sommes aujourd'hui à Marguerite Dioville. La première chose qu'il faut remarquer, vous avez les feuilles jaunes, là, ce sont les dates. Elle est née en 1701. Souvenez-vous quand est-ce que Marguerite Bourgeois est décédée? 1700. Ils ne sont pas connus. Alors, il ne faut pas les mêler. On change de siècle, maintenant. Évidemment, il y a Jeanne Lebert, quand même, qui est allée jusqu'à 1714. Hein? Mais on change de siècle, on change de période avec Marguerite Dioville. Je pense que ça répond quand même à notre but, qui était de voir l'origine de Montréal. On est un petit peu plus loin de l'origine avec Jeanne Mance puis Maisonneuve, mais on est quand même dans l'origine d'une chose extraordinaire avec Marguerite Dioville, les Sœurs Grises, hein, puis l'hôpital général, tout ça. Alors donc, je pense que c'est normal. Je suis content d'être allé jusque-là, jusque dans le 18e siècle, avec la 7e. Et une autre date qu'il faut remarquer, c'est qu'en 1701, c'était la grande paix de Montréal. Pour la dernière fois, là, ça a été sérieux. Tous les Iroquois puis tous les chefs se sont réunis à Montréal, et avec le gouverneur général puis le gouverneur de Montréal, et ils ont signé une paix qui était définitive avec les Iroquois. Alors, vous avez ça ici sur votre feuille, 1701. 1200 délégués, puis c'était une fête, paraît-il, assez... Oui, ils étaient tous barbouillés. Alors, c'était une fête, hein? Alors, donc, c'était la grande fête, la grande paix de Montréal. C'est-à-dire qu'elle, elle n'a pas connu la période d'incertitude avec les Iroquois. Elle est née la même année. Elle va connaître d'autres choses, par exemple. Alors, donc, c'est un temps nouveau. Celui qui est le gouverneur général, c'est M. de Calière. On va aller visiter la pointe à Calière. Et puis ensuite, l'autre, c'est Vaudreuil, gouverneur de Montréal. Donc, c'était signé avec tous les Iroquois. Il en manquait un, mais il est venu confirmer un an après, ou deux ans après. Sa première date à remarquer, donc j'ai mis ici, la ville change, mais on sort de la ville. Avec Marguerite Dioville, on quitte Montréal. Elle va revenir à Montréal, par exemple. C'est ici qu'elle va fonder les Sœurs Grises, filles de la Charité. Alors, j'ai passé vite en haut, c'est-à-dire, c'est le chemin du roi, une autre date, en plein milieu du siècle. Pour la première fois, on ouvre une route qui va de Montréal à Québec. Avant ça, il n'y avait rien que les bateaux qui pouvaient faire le... On a ouvert la route tout au long. Ça, le pays a changé beaucoup. On est dans un nouveau temps. Au niveau de l'histoire, ouverture du chemin du roi entre Québec et Montréal. Donc, un temps où s'ouvre autour de Montréal
des paroisses qui deviendront des villages puis des villes, Longueuil, Vaudreuil, Varennes, Verchères, L'Île-Perrot, tout ce qui se passe à côté, bien, c'est dans ce cycle-là que ça se répand un peu partout. Ça commence souvent par une paroisse qui devient un village puis qui devient une ville. Et on reconnaît là, les noms des familles illustres, puis Vaudreuil, Longueuil, tout ça. Bon. Mais la guerre continue avec les Anglais. Elle ne connaîtra pas la guerre avec les Indiens, mais elle va connaître la guerre avec les Anglais. C'est-à-dire, je dis la guerre avec... Les Indiens vont être insérés dans les armées. Il va y avoir des Indiens, mais ils sont dans les armées, soit d'un côté, soit de l'autre. Il y a encore des Indiens qui se combattent, mais ce n'est plus eux. Ils suivent un peu la guerre. Et puis, une autre date à remarquer ici, c'est la conquête. Une des dates qu'on doit savoir, nous autres, comme Canadiens français ou Canadiens, c'est 1760. Ou 59, c'est Beaublé à Québec, 1760 à Montréal, confirmé ensuite à Paris. La conquête, c'est-à-dire, on cesse d'exister. Fini, on pourrait dire, fini la Nouvelle-France. C'est quelque chose. Alors, Marguerite, elle va connaître ça, la conquête. Et pendant 10 ans, elle va connaître le régime anglais dans lequel on est encore. Elle a vécu avec ses concitoyens bien, les inquiétudes, l'abandon, l'abandon de la France, la peur, les guerres, la reddition, tout ce qu'on peut imaginer. Elle l'a vécu un peu au niveau des gens. Ce n'est plus rien que dans l'histoire, puis Vaudreuil. Puis, elle l'a vécu avec le monde, elle l'a vécu elle-même. Et elle a vécu avec tous les pauvres qui vivaient ça. C'est quelque chose. On s'imagine difficilement ce que ça veut dire. L'inquiétude, qu'est-ce qui va me rester? Qu'est-ce qu'on fait? Hein? On devient citoyen britannique. Ça vous intéresse, être citoyen britannique? Ça dure encore. Ça dure encore, à peu près. Alors, donc... Mais la reddition a été bien faite, la capitulation a été bien faite, d'après moi, par Vaudreuil. C'est-à-dire qu'ils ont signé avec des conditions. Je pense qu'il y a 55 conditions. Ils n'ont pas toutes été acceptées, les conditions. Si vous allez sur Internet, vous avez la conquête, vous allez avoir tout. Et puis, des fois, c'est non. Des fois, c'est non. Des fois, c'est oui. Et ce qui est important, c'est qu'ils acceptaient de respecter la religion et la culture des gens en place. Puis, ils acceptaient aussi que ceux qui ne voulaient pas être citoyens britanniques, bien, qu'ils s'en aillent en France. Ils leur offraient même des bateaux. À un certain moment, on pourrait dire qu'ils étaient bien contents de s'en débarrasser, parce que c'était les plus riches, les plus puissants. Ils leur donnaient 1 an et demi pour vendre leur propriété puis s'en aller en France. Ça fait beaucoup de départs dans la société. Comment est-ce qu'il y avait Québécois à ce moment-là? J'ai déjà dit 60 000, mais c'est peut-être 40 000, je ne sais pas, qui sont restés, qui fait qu'ils sont restés. On est restés séparés de la France. Il y a du bon, puis il y a du pas bon. Il y a du bon, c'est qu'on ne connaîtra pas la Révolution française, avec tout ce bouleversement-là. Et au niveau de la foi, c'est important. Donc, elle va connaître ça, elle, pendant 10 ans. Je vais simplement vous dire... Elle ne connaît pas la même période, les Iroquois, là, tout le temps, en embuscade, et tout ça, mais elle va connaître la guerre avec les Anglais. Voilà un peu pour le temps. Ça, c'est l'image des Anglais à Montréal, en passant. Alors, le temps, ça va? 1701, c'est facile, jusqu'à 71. Donc, on faisait 11 ans sur le régime anglais, 60 à 71. Et puis, maintenant, le lieu, j'ai déjà dit que tout ça, on sortait de Montréal, eh bien, le lieu où elle est née, c'est Varennes. Vous connaissez Varennes, on ne passe plus là parce qu'on prend tout le temps l'autoroute maintenant. Mais si vous suivez la côte, là, en sortant du pont-tunnel, Varennes, c'est pas loin du tout, Verchères, Varennes, en tout cas. Et puis, alors, c'est sur le bord du fleuve. Et puis, à Varennes, vous trouvez un beau petit sanctuaire récent. Je l'ai marqué ici, j'espère, oui. Un musée près de l'église.
tout à côté de l'église de Varennes, qui est une basilique, où on a transporté ses restes quand on a fermé à Montréal. Alors, où se trouve sa dépouille depuis 2010, c'est assez récent, un beau petit sanctuaire. J'avoue que je suis déjà passé dedans, devant, puis je ne peux pas arrêter. Mais la prochaine fois, je vais arrêter. Tu sais, des fois, quand on est moins sensible. Alors, un beau sanctuaire, alors vous avez, c'est un musée en même temps, et puis on présente là, l'image de Marguerite Duville. Donc, au niveau des lieux, nous sommes à Varennes. Pour commencer, au niveau du temps, nous sommes au 18e siècle. Alors, l'origine, bien, j'ai marqué ici, elle est née au Canada. Et la phrase importante, la première Canadienne à être béatifiée et canonisée. Il y a eu des martyrs canadiens, mais elle, la première Canadienne née au Canada à être béatifiée et canonisée, en 1990. Sa famille, elle, est d'origine de France, évidemment pas elle-même, mais sa famille, comme toutes les familles. Et on a eu, les premiers venaient tous de Champagne, là, vous vous souvenez? Les autres venaient, Jeanne Lebert venait de Normandie. Elle, c'est plutôt de Bretagne. Alors, c'est pour dire. Alors, si vous allez dans l'origine de ses ancêtres, c'est en Bretagne. Dans ses ancêtres, il y a Pierre Boucher. On connaît beaucoup quand on fait l'étude de l'histoire, surtout de Trois-Rivières. Et c'est son aïeul, c'est son arrière-grand-père, je pense. Et puis ensuite, parce que lui, le père, oui, sa mère s'appelait Marie-Renée Gauthier de Varennes. Et son père s'appelait Christophe Dufrosse de la Jameraie. Donc, on peut dire son nom, c'est de la Jameraie. Elle a un lieu de parenté, même avec la Vérandrie, c'est le frère de sa mère. Donc, dans ce contexte-là, les gens, c'est... Ils se connaissaient tous, puis ils étaient tous un peu parents. Il n'y a pas grand monde encore. Son origine, le lieu, la date, l'origine. Alors, sa vie, je vais passer assez vite sur le début quand même. Sa vie, c'est la première période, on peut diviser en trois périodes, si vous voulez, mais la première période, c'est une période plutôt d'épreuves. Il va y avoir beaucoup d'épreuves dans sa vie. Alors, né en 1701, vous avez ça ici, son père meurt en 1708, elle, elle a 7 ans. Il y a 6 enfants dont elle est l'aînée, donc elle est obligée de s'occuper de sa famille. Et ça, c'est la misère. Il n'y avait pas d'autre source de revenus dans ce contexte-là. Alors, elle a connu la misère comme enfant. Elle sait ce que c'est que la misère. Avoir peu à manger, hein, elle a très peu. Parce que sa mère, son père, il était reconnu, c'est un ancien militaire, il avait une espèce de, on dirait, je ne sais pas trop, une retraite militaire, mais quand il est mort, il n'y avait plus rien. Alors même s'ils étaient à Varennes, dans un terrain qui venait de sa mère, de Varennes, il n'avait plus rien à manger, il n'avait plus envie. Alors elle a connu la misère à 7 ans. Et à cause de bienfaiteurs, elle a eu la chance d'aller faire ses études à Québec chez les Ursulines. C'est ce que j'ai lu, moi, à cause de bienfaiteurs. Je ne vais pas pouvoir dire le détail de ça. Mais chez les Ursulines, elle a quand même fait 2 ans. Un peu comme avait fait Jeanne Lebert, oui. Jeanne Lebert qui avait appris là, la broderie, elle aussi. Ça va lui servir, la broderie. Une autre façon, par exemple, c'est pas de la broderie d'église, c'est plutôt de la broderie, c'est plus que ça. Les gens portaient beaucoup de broderie dans ce temps-là. Même les hommes, ils se faisaient faire de la broderie, tout ça. Alors, ça lui a été utile pour gagner sa vie un peu. Alors, c'est un peu comme Jeanne Lebert, elle va étudier, puis elle va revenir. Et puis là, bien, elle s'apprête à se marier avec un, je ne sais pas qui, mais je n'ai pas retenu le nom. De toute façon, elle n'est pas mariée parce que sa mère a décidé de se remarier avec un Irlandais.
un médecin qui avait une réputation plutôt douteuse, qui fait que tous les autres prétendants se sont éloignés. Il n'y a pas question pour elle d'entrer dans les familles intéressantes, on pourrait dire, de Montréal, à cause du mariage de sa mère. C'était ça une grande humiliation. Elle était déjà presque fiancée. On n'entre pas dans cette famille-là où il y a des choses douteuses. Mais elle va se remarier plus tard avec un autre, et un mariage plutôt malheureux, avec un monsieur qui s'appelle François You. C'est pour ça qu'elle s'appelle Youville. Lui, il s'appelait You Youville. C'est le nom de son mari. Elle va signer souvent Marguerite Youville, ou bien elle va signer Marguerite de la Jemeraie. Bon. Alors, son mari, pas chanceuse, elle, c'est un homme qui vendait, faisait du commerce, était reconnu comme ça, mauvaise réputation. Commerce d'eau de vie, et même avec les Indiens. Et son père, c'était dans la ligne de son père aussi, ils avaient un poste à l'ouest de l'île de Montréal, où bon, ils faisaient du commerce illégal, on pourrait dire. Et c'était connu. Et parce que c'était connu, et c'était connu d'une façon méprisante, le mépris va retomber sur elle. Alors, ça fait partie de ces épreuves. Et je portais à dire « heureusement », mais on ne peut pas dire ça. Son mari est mort. On ne peut pas dire ça. 630, son mari meurt. En lui laissant deux fils et en ayant tout gaspillé son argent, et puis en lui laissant des dettes, encore là, elle tombe dans la misère, la vraie misère. Mais elle est obligée d'ouvrir un petit commerce pour gagner sa vie. Et elle avait deux fils. Et ces deux fils qui lui restent vont devenir deux prêtres, deux curés. Alors, ça va être marqué un petit peu plus loin. Ah ben oui, c'est marqué là. Un curé à Saint-Ours, l'autre curé à Pointe-Lévis. Il va être fait prisonnier même au moment où les Anglais vont s'emparer de cette partie de la ville avec ses paroissiens. Bon, elle retombe dans la misère d'un sens. Misère, c'est-à-dire à peine de quoi vivre. Elle réussit, mais malgré ça, elle a le cœur tourné vers les pauvres. Ça va être ce qui va la... Quand on est pauvre, on sait ce que c'est qu'être pauvre pour les autres. Elle a été tellement pauvre qu'elle a eu le cœur tourné, et c'est ce qui va faire Marguerite Youville. On va l'appeler la mère de la charité universelle. C'est le cœur tourné vers les plus pauvres. Et en même temps, bien, ça va le cœur tourné vers le Seigneur, parce qu'elle est béatifiée, elle est canonisée. On peut dire qu'elle commence là une évolution spirituelle, pour le dire. Elle va faire une expérience qui est difficile à définir, une révélation intérieure de la bonté prévenante du Père éternel. Le Père éternel va être comme sa dévotion particulière. Elle va faire un tableau du Père éternel. Elle va faire composer les litanies du Père éternel. Alors, le Père éternel, c'est sa façon de dire la Providence. Notre fondateur avait la même façon de le dire. Il disait, « J'ai un Père dans les ciels qui est immanquable. » Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Alors, c'est un peu la même chose. Elle a un Père qui va la protéger tout le temps, le Père universel. Ça va être, on peut dire, sa dévotion. Mais comme elle veut entrer, elle veut développer, alors elle entre dans plusieurs confréries de la Sainte Famille, confréries du Sacré-Cœur, confréries du Saint-Sacrement. Alors tout ça, ça fait partie de l'évolution de sa vie intérieure, marquée extérieurement par la misère, intérieurement marquée par une évolution spirituelle. C'est la première partie de sa vie. Mère Youville, première fondatrice canadienne. Et je fais remarquer aussi, quand vous avez, si jamais vous aimez lire, ces revues-là sont très, très bonnes. Hein? C'est très bien. Et vous les trouvez à la bibliothèque aussi. Bon. Voilà la première partie de sa vie. La deuxième partie de sa vie, bien,
ça va être le commencement, on pourrait dire, de la communauté. Comment ça va commencer? Elle a le cœur tourné vers les pas. La fondatrice. Alors, vous avez sur l'autre page un peu un résumé. Elle veut accueillir des personnes, pas malades, mais des personnes abandonnées, de toutes sortes. La première qu'elle va accueillir, c'est une sexagénaire, c'est pas si vieux que ça, mais aveugle. Alors, ça va être un peu son œuvre qui commence, la première. Et puis, ce que je n'ai pas dit encore, mais ce qui est très important, c'est qu'elle va être accompagnée par des sulpiciens. Un peu comme Jeanne Lebert. Jeanne Lebert, il y a un sulpicien qui l'a accompagné tout le temps. Vous vous souvenez? Et quand on a parlé même de Marguerite Bourgeois, l'esprit de l'école française de spiritualité passait par les sulpiciens. On peut dire la même chose ici. Les sulpiciens très marqués par le discernement. Notre fondateur vient de la même époque. Et notre fondateur a été ordonné prêtre en 1700. Donc, c'est une date pour nous autres qui est facile à retenir. Elle est née, elle, en 1701. Notre fondateur était prêtre en 1700. Puis, il voulait venir au Canada. Ils n'ont pas permis de venir au Canada. Ils vont se perdre dans le bois. Mais, il n'aurait pas été pire que les jésuites. Hein? Alors, voici. Elle commence peu à peu, avec deux, trois amis, trois compagnes, un engagement pour les pauvres. D'abord, en aidant les pauvres qui sont plus pauvres des plus pauvres. Et puis, elles vont faire un engagement au pied d'une petite statuette. Ça ressemble beaucoup à Marguerite Bourgeois. Hein? Un poste rebelle, c'est la seule image que j'ai trouvée. Mais elles vont faire un premier engagement devant Notre-Dame de la Providence. Un engagement pour les pauvres. Hein? Et puis, elles vont trouver un logement, la maison Verrier, pour accueillir des personnes. Ils vont commencer à accueillir des personnes dans une maison qui s'appelle la maison Verrier. C'est le début. Le cœur tourné vers les pauvres. Elles font en décembre des vœux secrets, toujours accompagnés par un bon sulpicien. C'est sérieux. Et l'une meurt, elles ne sont plus que trois, puis le protecteur est malade. À un moment, ça va très mal. Elle-même, elle tombe malade d'un genou, ça va pendant cette année, elle n'aura pratiquement pas marché. Alors, les épreuves, elle connaît ça. Tout ce qu'on peut dire, elle connaît les épreuves de toutes sortes, et ça va les rendre proches de tous ceux qui souffrent de toutes sortes. Et devant Notre-Dame de Providence, elles vont faire un engagement pour les pauvres. C'est le début. Ça aurait pu commencer comme ça, mais malheur des malheurs. D'abord, il y a le premier engagement. Alors, malheur des malheurs, c'est-à-dire, j'ai oublié de le mettre, c'est il y a un feu. 1645, l'incendie. La maison brûle. C'est pas la dernière fois qu'elle vit ça. Hein? Dans ce temps-là, les maisons étaient plutôt en bois, puis ça brûlait facilement. La maison brûle. Elles perdent à peu près tout ce qu'elles ont. Alors, 1745, en plein 31 janvier à minuit, incendie de la maison Verrier. Correct? Ce que je n'ai pas dit jusqu'ici, mais je l'ai suggéré, c'est que son mari avait laissé une mauvaise réputation. Celui qui vendait de l'alcool aux Indiens, et puis qui en prenait lui-même. Alors, c'est ce petit groupe de femmes, au début, trois ou quatre, ont été l'objet de calomnies de toutes sortes, mal accueillies dans ce contexte-là. On les disait qu'elles-mêmes vendaient de l'alcool en cachette. Et puis, on disait même qu'ils en buvaient peut-être un peu. Et c'est pour ça qu'on les a appelées d'une façon, les sœurs grises. Bien, c'est pour dire qu'elles ont vécu une période. Pendant ce temps-là, c'était la période on pourrait dire, c'est marqué ici. Ils ont été lancés des pierres. Ils lui ont lancé des pierres. Ils ont fait toutes sortes de... Les quatre premières, là, ont eu beaucoup de misère. Mais
c'est parmi les épreuves qu'elle a connues jusqu'à, jusqu'à l'incendie. Et à l'incendie, bien, elles perdent à peu près tout ce qu'elles ont, mais des nouvelles calomnies. Les gens, la société de ce temps-là, à cause de son mari, était un peu contre elle. Elle change de maison, il y a quelqu'un qui leur enlève la maison parce que c'est lui qui veut l'avoir, ça devait changer de maison 2-3 fois. Mais finalement, ils vont trouver une maison où s'établir. Elles sont 6 et ils décident de tout mettre en commun. Elles vont faire un premier engagement le 2 février 1745, un acte de désappropriation universelle. Elles n'ont plus de biens. Elles mettent tout ensemble. Elles deviennent pratiquement des religieuses. Mais elle-même est malade. Alors ça, c'est le début. C'est pas facile à définir, mais j'ai mis les 3 noms des sulpiciens qu'il y a là. Monsieur de Lescoa, qui lui avait prophétisé qu'un jour, elle relèverait une œuvre de bienfaisance. Lui est mort en 1730. Ensuite, il a été remplacé par un autre, Monsieur Louis-Normand de Farandon, qui va l'accompagner lui aussi, et beaucoup lui permettent de survivre. Et le troisième, bien, ça va être Montgolfier, troisième. C'est des sulpiciens de valeur, hein, des supérieurs. Ils ont été formés à Saint-Sulpice avec Ollier et les successeurs de M. Ollier. Une école, alors, elle a les meilleurs, un peu comme Jeanne Lebert. On peut dire la même chose. Alors là, il faut ouvrir une parenthèse. Jusqu'ici, elle commence à s'occuper des pauvres. Et puis, elle accueille quelques-uns. Malgré la réputation qu'on lui fait, elle continue à accueillir les pauvres. Alors, comment comprendre comment l'œuvre va évoluer? Eh bien, il faut ouvrir une parenthèse, puis revenir en arrière, puis parler de l'hôpital des Frères Charron. Je suis au numéro 1. Oui, oui, oui. Vous avez peut-être déjà entendu parler? Moi, c'était vague dans ma tête. J'ai lu assez pour savoir ce que veut dire l'hôpital des Frères Charron. D'abord, c'est un hôpital. Ce n'est pas un hôpital comme on dit aujourd'hui. Nous autres, on va à l'hôpital quand on est malade. Nous autres, ils allaient à l'Hôtel Dieu quand ils étaient malades, si on peut dire. Un hôpital, ce n'était pas ça du tout. Ça commençait en France. Notre fondateur est allé à l'hôpital de Poitiers. Ce n'est pas des malades, c'est des pauvres. Il est allé aussi à Paris, la Salpêtrière, un immense hôpital où on accueillait tous les pauvres de toutes sortes. Il s'est fait aumônier de ça quelque temps. C'est que le roi avait imposé à chaque ville en France d'ouvrir un hôpital pour les pauvres. La raison est peut-être bonne, mais plus ou moins. C'était un petit peu pour débarrasser la ville de tous les vagabonds qu'il y a partout, mais la société, c'était plein de vagabonds, hein, de toutes sortes. Alors, c'était pour les recueillir en quelque part, c'est bon, mais c'était en même temps pour dire, écoutez, il faut un peu... L'esprit, c'est pas facile de deviner, mais c'est pas été mauvais. Parce qu'au moins, là, ils pouvaient survivre. Ils avaient le couvert, ils avaient ce qu'il fallait, mais ils étaient pauvres. Eh bien, comme ça existait beaucoup en France, alors, à Québec, c'est Monseigneur de Saint-Vallier qui a décidé d'ouvrir un hôpital comme ça à Québec. Et c'est pour ça que M. Charron, François Charron, Charron de la Barre, si vous voulez, c'est un homme d'affaires qui était riche, qui était touché aussi par les pauvres, a décidé d'ouvrir à Montréal un hôpital pour les pauvres. Voyez-vous le mot hôpital, là, qui vient de France, puis qui va dans tout ce sens-là. Alors, il projette de fonder un hôpital à Montréal. Et puis là, il va s'associer 2 des frères de Jeanne Lebert, Pierre et Jean. Et un troisième monsieur, Jean Fredin, à 4. Une espèce d'association pour fonder un hôpital et peut-être des hospitaliers. C'est-à-dire une espèce de communauté hospitalière, comme les hospitalières. Alors, on a dit ça un petit peu quand on a parlé de Jeanne Lebert, hein? son frère Pierre, qui s'est fait hospitalier à un moment, et qui n'est pas devenu religieux tel quel, mais il s'est fait hospitalier. Et puis, ils leur ont donné...
Alors, les Sulpiciens, qui étaient propriétaires de toute la ville, on pourrait dire, leur ont donné un territoire qui est à la pointe à Calière. Un territoire proche de la pointe à Calière. Il faut que je vous montre ça. Correct? L'hôpital, alors, c'est François Charron à la pointe à Calière. On a toujours regardé ça, c'est le début de Montréal. Vous voyez la pointe en bas, à gauche? Ça, c'est la pointe où ils sont arrivés, hein? Vous pouvez imaginer cette pointe? Vous avez le premier phare. Et à côté du premier phare, vous voyez une tache brune? C'est à peu près là que va être construit l'hôpital général. Le phare, on n'en parle plus trop, là, parce que la ville s'étend de l'autre côté. Mais c'est là que va s'établir l'hôpital général. Et cet hôpital général, ben, ils vont commencer à la construire en 94-13, on pourrait dire, un édifice en pierre, un édifice assez sérieux, 3 étages, une toiture d'ardoise, et un édifice assez majestueux, tellement que c'était... Marie Morin disait que c'était le plus gros de Montréal. Ça dépassait tous les autres. Alors, ça va grossir au cours des années. Et ça va être le premier hôpital général de Montréal. On peut y mettre toutes sortes d'images. C'est des reconstitutions, hein? Correct? Et en même temps, bien, M. Lebert va leur donner en même temps une ferme qu'on appelle à Pointe-Saint-Charles. Donc, il y a deux Pointe-Saint-Charles, c'est plus loin. C'est dans ce cas-là, dans ce coin-là, que deviendra la maison Saint-Gabriel, hein? Alors, pour résumer ça, c'est que les frères Charron, bien intentionnés, accueillirent toutes sortes de pauvres, bien intentionnés, bâtissent quelque chose d'important, mais en même temps, ils veulent faire une communauté. Et ça, ça prend d'autres choses que des meubles. Ça prend d'autres choses que de l'argent. Ça prend une inspiration. Et on ne peut pas dire qu'ils avaient l'inspiration d'un fondateur. Ce que va avoir Marguerite Bourgeois, puis Marguerite... L'inspiration, ça ne se donne pas comme ça. Alors, ils n'ont pas réussi à fonder une communauté d'hospitaliers. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas comment les former. Quelle sorte d'inspiration leur donner? Bien, ils sont allés voir, ils voyaient bien que M. Charron, c'est bon, un bon monsieur, mais pas capable d'inspirer une communauté. Alors, ils sont allés voir les Sulpiciens. Vous ne pourriez pas former nos membres? Les Sulpiciens ont dit, ce n'est pas notre ouvrage, c'est nous autres, on est ici pour les paroisses. Alors, ils sont allés jusqu'en France voir les frères des écoles chrétiennes. Ils disent, bon, on ne pourrait pas s'unir à vous. Alors, ils ont essayé toutes sortes de façons pour réussir à fonder une communauté. Mais tout le monde a dit non, il y avait des bonnes raisons, c'est que la maison est en décrépitude, puis il y avait des dettes. Et s'ils acceptaient d'aide, ils acceptaient les dettes avec. Alors, il n'a jamais réussi à former, on pourrait dire, une communauté. Et c'est là que le bon Sulpicien, il faut sauver cette œuvre-là, qui s'en va à la déroute. Et pour la sauver, il faut aller trouver quelqu'un qui s'en occupe. Et pour quelqu'un qui s'en occupe, il y a justement madame, elle s'appelle madame Douville, hein, à ce moment-là. C'est à elle qu'on devrait confier l'hôpital. Et c'est lui qui va préparer le passage des frères Charron à Mme Deville. Elle va devenir administratrice de l'hôpital général. Ça ne s'est pas fait facilement. Je dirais même que ça s'est fait difficilement. Parce qu'il y en a qui étaient contre. Il y a toujours... Pourquoi ils sont contre, on ne sait pas trop. Tout le monde était d'accord que l'hôpital continue, mais que ça passe par les Sulpiciens, puis que ça passe à cette dame-là. Et elle a eu beaucoup d'objections. Marguerite prend en charge, en main, l'hôpital général. En 53 années, quand même, ils ont reçu 65 indigents, 38 vieillards caducs, 126 soldats, 6 idiots, puis 5 malades. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Mais ils n'étaient plus capables de porter l'œuvre. C'est elle qui va prendre ça. Vous voyez le genre de personne, ce n'est pas un hôpital de malades.
l'hôpital de toucher bien, toutes sortes de maladies. Mais l'œuvre se meurt. Il ne reste que quatre frères très âgés, dont deux vieillards. Et puis, l'insalubrité des lieux, tout est en friche, tout est brûlant. Et c'est là que M. Normand pense à les remplacer par Mme Duville et ses compagnes. Alors, ils vont faire une neuvaine à M. de l'Escouade, qui est déjà mort, mais qui a laissé une réputation de sainteté, pour être éclairée. Et malgré toutes les oppositions encore venues de partout, elle entre à l'hôpital général en 1747 comme administratrice. On va dire, c'est fait? C'est pas fait. Bon, il y a toutes sortes d'influences encore de Québec. Bigot, vous avez déjà entendu parler? Bigot, oh, on l'aime pas bien gros. Alors, qui ont dit, oh non, on va tout transporter ça à Québec. On va transporter ça à Québec. Il avait même commencé à transporter les meubles à Québec. Alors, parce que son poste, son titre a été révoqué, et puis même l'évêque de Québec était d'accord avec ça. Bon, il y a toutes sortes de raisons là-dedans. De supprimer l'hôpital par une ordonnance publique. Il y a eu toutes sortes de réactions dans la foule à Montréal. Et c'est surtout grâce aux Sulpiciens et leur influence à Paris qu'ils ont obtenu une confirmation royale des lettres passantes le confirmant Marguerite Duville comme administratrice de l'hôpital. Ça, c'est l'œuvre des Sulpiciens. Sans ça, l'hôpital disparaissait. Tout s'en allait à Québec. Heureusement, il était confirmé dans son œuvre, et son œuvre va devenir celle de l'hôpital général. Comme je dis, ce n'est pas des malades, mais des pauvres de toutes sortes. Des soldats invalides, des vieillards, des insensés, des incurables, des lépreux. Des lépreux que des fois, l'Hôtel Dieu n'osait pas accepter des gens qui allaient répondre à une épidémie. Elle va l'accepter, elle, quand ils étaient mis dehors. Alors, vous avez un peu une réputation. Oui, cela ressemble à celle de France. Ça me fait penser beaucoup à Saint-Vincent-de-Paul. Saint-Vincent-de-Paul, pourquoi il a créé les Filles de la Charité? Parce qu'il y avait des besoins partout, à Paris. C'était la même chose ici. Et parmi les besoins, c'était les enfants. Mais pas les enfants, les bébés. Les bébés naissants qu'on laissait traîner partout. Elle nous a trouvé, elle, dans la glace. Elle nous a trouvé avec des poignards. Elle nous a trouvé partout. Alors, le cœur, elle a accepté beaucoup les enfants, les bébés. Et puis, en même temps, bien, les filles. Les filles abandonnées, on les appelait les filles de mauvaise vie, une façon de dire. Vous voyez, ce sont les garçons là-dedans, mais en tout cas, ils étaient abandonnés, elle va les accueillir. Puis en même temps, elle va accueillir peu à peu des pensionnaires, des femmes de qualité, parce que l'œuvre a tellement été bien rénovée que c'est une place, les dames, il y a beaucoup de dames qui ont dit, bien, nous autres, on va venir pensionner là, et on va payer. Et ça va permettre à l'œuvre de continuer. Mais les pensionnaires ont aidé beaucoup à la poursuite de cette œuvre. Alors, peu à peu, la communauté va grandir, il va y avoir 11 nouvelles religieuses. À un moment, il va y avoir encore là des difficultés, pas plus que 12. Pourquoi, je ne sais pas. Et on va limiter le nombre à 12 administratrices, mais ça prenait bien plus que 12. Alors, ce qu'ils ont fait, ils ont accepté d'autres qui sont devenus comme des religieuses seconde main. On appelle ça les sœurs converses. Les adjointes. Les adjointes, tu sais. C'est Bigot qui est... Ben, Bigot, entre autres, oui. Mais il a fini par comprendre un petit peu quand même. Alors, il y a une épidémie de la petite vérole, il y a toutes sortes de choses, que j'ai mis ça en passant, qui décime surtout les Amérindiens. Elle accueille tout le monde. Même les Anglais. Alors, on s'approche de la fin du siècle. Alors, Bigot va même lui confier des soldats anglais et français. Et ça va lui aider d'accueillir des Anglais. Heureusement, parce que c'est elle qui va sauver l'hôpital. Parce qu'elle a accueilli des Anglais. Alors, on arrive à 59-60.
l'hôpital est sauvé grâce à Marie, à Marguerite et à son aide aux soldats anglais. On raconte une histoire. Là. C'est, pendant qu'elle était là, dans l'hôpital général, il arrive un Anglais à course, poursuivi par un je sais pas trop, un Iroquois, mais c'est n'importe quel. Un tomahawk. Elle fait que chasser, puis elle met un linge puis tout de suite par-dessus lui, puis elle monte la porte, parce qu'elle a la porte ouverte de l'autre bout. Alors, l'Indien, il a continué tout droit. Elle l'a sauvé. Mais heureusement, parce que quand les Anglais sont arrivés à Québec, ils étaient prêts à bombarder l'hôpital. L'hôpital était juste sur le bord, hein? Vous vous souvenez? Bon, on va revenir peut-être là-dessus tout à l'heure. Ils étaient prêts à bombarder l'hôpital. Et là, c'était les Anglais qui ont dit, c'est pas des soldats qui sont là, c'est des pauvres. Ils m'ont sauvé. Alors, ils ont empêché le bombardement de l'hôpital. Les Anglais se préparaient à bombarder cet hôpital-là. Là. Bon. Alors, donc, on va arrêter là pour quelques moments. On est rendu en 1760. Vous êtes tous devenus sujets britanniques. Aujourd'hui, bien, on peut en voir les suites. C'est l'hôpital général qui va devenir la maison des Sœurs Grises. Et de cette maison des Sœurs Grises, on peut trouver des vieux murs qui remontent à l'origine. Je ne sais pas si vous connaissez les Sœurs Grises à Rigui, ça? Non, oui. Bon. Ben là, ils disparaissent, celui-ci, malheureusement, mais tout ça, ça vient jusqu'à nous autres. Alors, j'avais mis ça aussi, la conquête. La conquête, bien, j'avais trouvé plusieurs images pour ça, capitulation de Montréal, pour imaginer tout ce qu'ils ont vécu de peur, d'abandon aussi, parce que les riches sont partis. Et l'évêque est mort sur les entrefaites. Et les Anglais n'ont jamais permis qu'il y avait un nouvel évêque tout de suite, parce qu'eux autres étaient contre Rome, de toute façon. Alors, la population s'est trouvée coupée à la fois de Rome et de France. Plus d'évêques et plus de rois. Donc, livré un peu. Alors, j'ai ici l'Église du Québec sauvée par les femmes. Bien, c'est une façon de dire que le conquérant qu'on suspecte tout prêtre et tout religieux de vouloir maintenir dans le cœur des fidèles l'amour de la France. Alors, malgré la modération, puis facilité accordée de quitter le Québec, seules les religieuses ne sont pas inquiétées. Elles ont soigné les soldats britanniques, elles ont fermé les yeux des agonisants. Elles ont tricoté des chaussettes pour les blessés. Il reste. Alors, même les Anglais sont obligés de reconnaître que les Sœurs Grises, puis les Sœurs de l'Hôpital Général, de l'Hôpital Dieu, d'Hôtel Dieu, et les Sœurs de la Congrégation Notre-Dame ne seront pas inquiétées. Et c'est elles qui vont sauver l'Église du Québec. C'est dans ce livre-là. Hein? Et c'est vrai. Alors, on arrive, nous autres, un peu en bas, là. L'Église du Québec sauvée par les femmes, c'est ce que j'ai mis juste une phrase, mais c'est pour dire que les Anglais ont reconnu ce que les religieuses donnaient ici comme œuvre sociale, dont ils en avaient besoin, puis ils en avaient déjà profité eux-mêmes. Ils vont pouvoir survivre, même sous le régime anglais. Bon, il y a toute une histoire, je ne peux pas entrer là-dedans, mais je suis passé au courant de savoir comment avoir un évêque. Pouvoir avoir un évêque nommé par Rome. Alors, il y a eu toutes sortes de discussions avant que ça s'établisse. Et finalement, elle va continuer à l'hôpital général, à accueillir tout le monde, la charité universelle. Anglais, français, tout le monde. Mais en 1965, nouvel incendie, c'est l'hôpital qui brûle, là. Avec un corps de la ville, dit-on ici, hein, tout est perdu et volé. Je ne sais pas si vous avez déjà assisté à un incendie. Mais ce n'est pas la première fois, puis ce n'est pas la dernière fois. Il y en a qui arrivent pour aider. Ils sortent les choses pour aider, mais ils passent avec. C'est ce qui est arrivé. Les gens sont arrivés avec des brouettes, tout ça pour sortir.
Mais ils sont partis avec. Alors, ils ont absolument tout perdu. Mais c'est une femme d'action. Elle a recommencé dans 2 ans. L'hôpital était reconstruit, même agrandi, et avec l'aide même des Anglais. Il paraît que même à Londres, on aurait fait une quête pour l'Hôtel Dieu, pas l'Hôtel Dieu, là, l'Hôpital Général. Le gouverneur général est venu, puis il a aidé. Même les Anglais ont aidé à rebâtir l'Hôpital Général. Les Indiens aussi, parce qu'ils en avaient profité beaucoup comme malades. Alors tout le monde l'a aidé, de telle sorte que 2 ans après, l'Hôpital Général peut continuer. On reconstruit avec l'aide de tout le monde. Et là, elle va acheter la seigneurie de Châteauguay. Elle construit. Elle va mourir en 71, assez rapidement. Et puis, là, il va y avoir des croix dans le ciel, je ne sais pas, des manifestations. Ses restes sont déposés à la crypte de l'hôpital pour être transportés en 2010 à Varennes. La conclusion ici est assez simple. C'est des idées, des images de la guerre. Alors, Châteauguay, bon. La conclusion, bien, on comprend la spiritualité de cette femme. C'est porté vers le Père éternel et avec l'Esprit du Père vers les pauvres. Charité universelle, mère de la charité universelle. En bas, bien, on pourrait me dire quelques-uns. Une vie marquée de bien des épreuves, des décès, des misères, des incendies, des calomnies, et ses malheurs l'ont rendue proche de tous les malheureux. Elle est devenue mère de la charité universelle, ouvrant une longue tradition de compassion. J'ai cité une phrase à quelque part, je trouvais très beau. Son visage reflétait la beauté du visage de Dieu. Son héritage, bien, c'est les Sœurs Grises. Ce n'est pas rien qu'à Montréal. Il va y en avoir à Saint-Hyacinthe, il va y en avoir à Nicolette, il va y en avoir à Ottawa. Alors, c'est un peu comme les Sœurs de la Congrégation de Notre-Dame, la même chose. L'Hôtel Dieu, la même chose, les hospitalières. Alors, il faut partir de... C'est une œuvre qui se répand un peu partout, comme les autres. Voilà un peu. C'est pas du tout le même. Ben non, aujourd'hui, il ne faut surtout pas mêler ça. Aujourd'hui, c'est un hôpital. L'Hôpital Général de Montréal, c'est anglais d'ailleurs. Oui, mais là, non, pour moi, il n'y a pas de lien. Pour moi, là. Alors, pour terminer, je propose de reprendre le chant de Richard Vidal, comme un rappel de ce qu'on a vu, avec les personnages qu'on a connus. Et puis ensuite, un regard sur les visites qu'on peut faire sur les lieux. Avant de nous quitter, un petit mot sur les visites. La dernière page que je vous ai mise concerne des visites qu'on peut faire. Si vous êtes peut-être plus au courant que moi, vous les avez peut-être déjà faites, mais c'est surtout pour ceux qui ne sauraient pas trop. Alors, il y a toutes sortes de façons de visiter. J'ai marqué les lieux les plus éloignés. Ça, si on y va tout seul ou on y va en petit groupe. Hein. Il y a Varennes. Si vous avez la chance de passer à Varennes, ça vaut la peine de s'arrêter. Il y a un musée, tout ça, l'église de Marguerite Douville. Vous pouvez aller à l'Hôtel Dieu. Quelqu'un disait, mais vous êtes allé à l'Hôtel Dieu. Un très, très beau musée aussi. Et là, bien, pour vous rendre, c'est sur Jeanne-Mance, surtout. Et puis, bien, là, c'est sur l'avenue des Pins. Correct? Vous pouvez prendre le métro Sherbrooke. Puis l'autobus 44. C'est correct? Ou bien vous allez à Maison Saint-Gabriel. C'est un petit peu plus loin du centre. Là, vous avez un musée de Jeanne Lebert. Et puis, vous pouvez prendre le métro Charlebois, puis un autobus 57. C'est pas long à pied, c'est 10 minutes, pareil. Ou bien vous allez voir les monastères des Reclus sur le boulevard Gouin. Il y a probablement un autobus, mais je ne savais pas quel autobus qui passe. Ça arrête à la porte. Quel autobus? Ah. Où est-ce qu'on le prend? Je prends l'autobus Sherbrooke jusqu'à là au terminus, et puis là, j'en prends un autre. Mon Dieu, excusez-moi, je me suis... Bon, ben, vous me direz quand c'est correct? Oui, oui.
Oui, c'est bon à savoir. Maintenant, nous autres, le 20 mai, quand même, on nous proposait une visite ensemble, ceux qui seraient intéressés. Un groupe, on va visiter trois lieux principaux. On va d'abord se rendre à la place d'Armes, métro Place d'Armes. On part d'ici à 8h30, ceux qui veulent, et on va en métro jusqu'à la place d'Armes, à 8h30 ici. Oui. Et puis, on va visiter Notre-Dame de Bon Secours, où il y a un musée aussi. J'espère que je vais aller préparer ça d'avance, là. Un musée qu'on peut visiter en bas, puis l'église, hein. Ensuite, on va arrêter à l'église Notre-Dame, où il y a les verrières et les broderies aussi. Il y a un musée là aussi. Et on va aller jusqu'à la Pointe à Calière, où il y a un musée sous-sol de toutes sortes. Et ce musée-là est gratuit du 20 mai au 20 juin cette année. Il y a peut-être un peu de frais pour entrer à l'église Notre-Dame. À moins qu'on dise on s'en va prier. On dirait qu'on s'en va prier. Notre-Dame du Bon Secours, pareil. Ben, en tout cas. Alors, ça, c'est les visites que je propose. J'ai hâte de les faire le 20 mai. Vous pouvez les faire n'importe quand. Correct? Et puis, en passant, on va voir beaucoup de choses. La rue de la Commune, entre le fleuve et Saint-Paul, ça s'appelle encore la Commune, hein? La place d'Armes, où se trouve le monument de Maison d'œuvre. La place Jacques-Cartier, alors... Oui. On peut aller voir aussi le séminaire, qui existe toujours, le séminaire. C'est l'édifice le plus ancien aujourd'hui. Alors, là, vous avez ici les principaux lieux, ça va? Notre-Dame du Bon Secours, c'est beau le soir aussi, hein? Et puis, l'église Notre-Dame, la Pointe à Calière, le soir, ça doit être encore plus beau, je ne sais pas, mais là, il y a des reconstitutions historiques du fort, de ce qu'on appelle le fort. Et puis, en passant, il y a la rue de la Commune. La rue de la Commune, c'est sur le bord du fleuve, ni plus ni moins. La place d'Armes, on connaît, c'est le monument. Pour une fois, on va le voir pour vrai. On va faire le tour. Et la place Jacques-Cartier, bon, là, il y a beaucoup de monde, c'est très beau. Là où on trouve le parc de la Devoissière, puis la place Bourgeois. Et puis, le séminaire. Le séminaire, c'est l'édifice qui date de ce temps-là, de ce début. On peut aller le visiter en avant, en arrière, il y a les jardins du séminaire. Pardon? Ah, il n'y a plus? Bon, en tout cas. Il y a les soeurs grises, en tout cas, de toute façon. Et en passant, il y a des sites à identifier. Ça, c'est des choses qu'on peut voir. Mais les sites à identifier, ça c'est, il y a des plaques commémoratives. Ici était l'Hôtel Dieu, ici était la première école, ici était le fort. Et bon, là c'est moins intéressant, mais c'est des plaques, c'est des souvenirs. Et les vestiges, c'est un peu ça, ce qui reste un peu des fois de ces vestiges.